Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Opium Découverte avec le jeu Tembo the Badass Elephant, un jeu sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Je vous propose ici un aperçu du jeu sur PC, disponible sur Steam depuis le 21 juillet 2015. Une version démo est également présente sur la page du jeu. Shell City est en état d'urgence, des forces dévastatrices nommées Fantômes ont attaqué la ville, et il n'y a qu'une seule solution pour sauver la ville et ses habitants, c'est Tembo, un éléphant complètement déjanté. Développé par Game Freak et édité par Sega, Tembo the Badass Elephant propose de jouer un éléphant et de tout défoncer sur son passage dans un jeu de plateforme de type runner à l'humour certain. Game Freak est un studio créé en 1989 et a beaucoup travaillé avec Nintendo, dont pas mal des derniers épisodes de Pokémon sur la Nintendo DS et 3DS, en tout cas des jeux sur console portable, et ce Tembo ressemble un peu à un jeu mobile avec un gameplay et un soupçon plus poussé. En 2012, Game Freak avait développé Harmonite sur la Nintendo 3DS, un jeu de plateforme runner qui inspirera beaucoup Tembo, d'ailleurs le héros de Harmonite s'appelait Tempo. Bref, Tembo peut courir violemment, sauter, et en combinant les deux dans diverses directions, cela permet de défoncer de gros murs pour se créer un passage. Tembo peut utiliser sa trompe pour lancer de l'eau aussi, utile pour éteindre des caisses en feu, il y a régulièrement des fontaines pour se remplir. L'eau permet aussi de créer des plateformes temporaires pour pouvoir avancer, il n'y voyait aucune logique de toute façon. L'univers du jeu est plutôt original, très cartoon et surtout très loufoque pour ce personnage plus qu'inattendu pour sauver une ville. Notre but à chaque niveau sera donc de tuer les troupes fantômes et de sauver les habitants un par un enfermés dans des espèces de cages. La fin du niveau répertorie si on a tué tous les ennemis et sauvé tous les habitants, on peut ainsi refaire le niveau pour faire un 100% ou continuer. Le jeu est plutôt linéaire, il y a quelques endroits un petit peu cachés où se trouvent des habitants à délivrer, mais dans l'ensemble il faut surtout aller de la gauche vers la droite avec quelques passages en hauteur. En ayant fait que la version démo soit les premiers niveaux, la difficulté réside principalement à ne pas mourir face à des tanks, des deltaplanes qui nous tirent dessus et des éboulements de roches. Le jeu va nécessiter un peu de skill pour se créer les plateformes temporaires pour passer certains endroits en hauteur, sinon le reste c'est que du fun et du bourrinage à tout défoncer, les murs, les voitures, les bâtiments, ce qui en fait un jeu très dynamique. Certains passages sont assez énervants, mais quelques checkpoints parsèment les niveaux, ce qui fait qu'on peut réessayer facilement. On retrouve de la vie dans certaines caisses, et surtout on récolte des cacahuètes pour remplir notre jauge de beurre de cacahuètes, puisqu'au bout de 300, on obtient une vie. Alors je n'ai pas vu, mais par la suite, un petit oiseau nommé Piccolo vient nous aider dans l'aventure. Tembo the Badass Elephant, un jeu plutôt marrant à jouer, très dynamique et rythmé, un mélange de Rambo et de Dumbo, très défoulant, et si je me permets de vous montrer la version démo, c'est parce que le jeu n'est pas donné tout de même, 12,99€ sur Steam, alors même s'il y a 18 niveaux de jeu, plutôt bien foutu, ça reste assez cher comme jeu pour ce platformer 2D. Ainsi s'achève cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!